métier de psychologue, en fait, c'est surtout de s'occuper de personnes qui vont pas très bien. Moi, mon travail, c'est de m'occuper d'enfants, d'adolescents qui ont vécu des événements problématiques, ce qu'on va appeler des événements potentiellement traumatiques, et leur transmettre des outils pour qu'ils puissent surmonter les événements qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Ma plus grande fierté, c'est une jeune fille que j'ai rencontrée qui souffrait de beaucoup de symptômes. Elle ne sortait plus de chez elle, elle était très triste, elle avait peur de beaucoup de choses, notamment à l'extérieur, elle n'allait plus à l'école. Et avec tout le travail qu'on a pu faire ensemble, avec ses parents aussi, sa famille, elle a pu être libérée de tout ça et elle a pu recommencer une vie des plus normales. Maintenant, je voulais devenir chercheuse en laboratoire. C'est donc une amie qui m'a conseillée, parce que je crois qu'elle avait bien senti que j'avais ce désir et cette envie de pouvoir aider les gens et peut-être aussi de les réparer. Mon bureau, parce que justement, c'est important qu'il soit cocooning, chaleureux. Je travaille à l'hôpital, alors souvent l'hôpital, c'est un peu froid, des grandes lumières blafardes. Donc c'est pour ça que je fais attention à ce qu'il y ait une petite lumière tamisée, à ce qu'il y ait des dessins, des jeux. C'est notamment une fois où ce jeune me racontait effectivement le décès de son chien qu'il aimait tant et que le rendez-vous d'après, je lui demande comment allait son chien. C'est rencontrer les enfants, les adolescents. Souvent, c'est des êtres humains qui leur ont fait du mal. Bah, là, qu'ils puissent rencontrer un autre être humain et qui répare un petit peu ce qui a été blessé, participer à leur reconstruction et qu'ils puissent bien grandir.